Yon l'autre édition Téléjournal du matin, c'est quoi il est là sous Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour tout le monde, merci en pile, parce qu'on est avec nous matin. Mais question point, d'après le gain pour nous développer dans le journal ça, président République là, Jovenel Moïse, dit administration l'emparé pour continuer à dialoguer avec tout secteur dans la vie nationale là. Dans ce sens, chef de l'État dit déjà passé instruction à Premier ministre Jean-Henri Séan pour lancer série dialogue ça y est. C'est ça qui a permis un problème mieux posé et puis solution appropriée potée. Le journal là, tout bien pour nous faire un coup de geste sous quelques zones dans la région métropolitaine. Maintenant, bien pour nous rendre dans quelques villes provinces par rapport à la réalité a été présentée pour journée mercredi 21 novembre 2018. Là. Et puis, nous avons tout comment journée a déjà démarré. Et puis, il y a un ministère touriste qui mettait en bout nos ateliers formation organisé sous gestion risque avec désastre. Voilà, mais quelques points, nous avons gagné pour nous développer dans l'édition Nouvelle ce matin. Restez sous Télévision Nationale d'Haïti. Nous avons proposé un binapteur. Voilà, merci en pile parce qu'avec nous, bienvenue dans le développement journal là. Nous t'ai annoncé là dans grand titre. Président République là, Jovenel Moïse, a précisé l'administration de l'Empire pour continuer de dialoguer avec tout acteur dans la vie nationale là. L'assassin chef d'État, il a déjà passé instruction à Premier ministre Jean-Henri Séan pour lancer une série de dialogues qui pourra permettre un problème de poser et puis joindre une solution appropriée. Chef d'État a parlé à Nation hier mercredi 21 novembre. Là, on a suivi la précision. Peuple haïtien, compatriotes, dans quatre coins pays et dans la diaspora, depuis plus de 30 ans, nous avons une constitution qui établit la démocratie dans le pays d'Haïti. C'est grâce à la démocratie que chaque citoyen est capable de revendiquer le droit libre et libre sans pièce craponnage. C'est dans quatre démocraties. Peuple haïtien élit moi président dans élection libre et honnête Jean-Maman loi pays a mandé ça pendant 5 ans présidence moyen personne moi dit bien personne sous quel que soit prétexte pas qu'à menacer intérêt pays a ni mettre nation en danger. Démocratie mandé sacrifice, démocratie mandé pour règle jouer la respecter Jean Constitution exige. Force toute démocratie, c'est respect la loi. Dans le pays d'Haïti, nous ne pouvons pas échapper en bas avec ça. Si pour nous rester dans la démocratie, pour nous ne pas tomber dans l'anarchie. Aucune raison, ni aucune cause, quitte de religieux, économique, social ou bien politique, pas de justifier pour le monde. Touye ou bien menacer tout le monde. De pour traverser ligne ça, l'irrespect doit moun va tomber en bas sanction la justice. Moi j'ai une pensée spéciale pour chaque victime qui tombe en bas acte banditisme, spécialement policier. Moi songe Juron du Rosier, un policier qui t'a servi pays li avec compétence et loyauté. Bandit touye du Rosier dans condition déshonorable. C'est pour Premier ministre là, chef CSPN, dégager le commet Jean-Jacques pour la police arrêter moun qui commet Jacques ça. Pour la justice juger et puis condamner yo Jean la loi mandé ça. Impunité pas marché avec démocratie. C'est pour la justice poursuivre tout moun qui s'y met d'ay ou bien qui cherche s'y met d'ay dans mitan peuple là. Bataille politique là doit faite sous terrain l'idée. Terrain discussion qui menait sous terrain élection. Il n'y a pas qu'à faire dans la crise brisée. Frem Axel, tendez bien, c'est le président qui a parlé avec nous. Depuis 32 années, Zach Brigandaï, crise brisée, tic tic empêcher le peuple à l'occuper les affaires. Fait payer à vie, pipo. Nous tous c'est haïtien. Pays d'Haïti c'est pour nous tous. Jodi a, c'est moi peuple là bay mandat pour diriger pays. Demain c'est vous qui sortez dans l'élection pour venir diriger. Quelle que soit idéologie ou et dans quel que soit parti politique ou y est,
Haïti, c'est pays nous. Faut nous faire tout effort pour pays à marcher plus bien. Pour petit nous, avec petit petit nous, qu'à vivre plus bien. Haïtiens, nous tous ces frères accès. C'est pour nous gagner courage, dialoguer, yon à clot, sans nous pas exclure personne. Nous ne doit pas d'accord sur toute bagaille. Mais c'est un devoir, une obligation pour nous parler. On a demandé au Premier ministre là pour rencontrer tout le monde, toute tendance. Même j'en ai toujours fait. Dialogue là supposé ramasser toute couche dans la société, dans le respect de la Constitution. C'est pour le Premier ministre là prendre toute disposition pour garantir la sécurité de la vie et bien tout le monde. C'est pour le gouvernement prendre toute disposition pour créer conditions pour la paix établie dans quatre coins du pays. Je passe instruction pour réactiver la Commission nationale des armements à réinsertion. Le gouvernement doit prendre toute responsabilité pour continuer à travailler apaisement social dans les quartiers défavorisés pour améliorer les conditions de monde à vivre. C'est tout cela qui n'a plus besoin. Frem Aksem, ma profite remercier tout le monde qui te kembe calme et sérénité dans le dernier jour. Sa yo. Ma remercie la presse, leader d'opinion, toute religion, et tout l'autre monde et puis organisation de la société civile là, sans nous pas oublier, zanmi nous dans l'international là, qui a véhiculé le message la paix et stabilité. C'est pour bon Dieu grand maître là, continuer à accompagner nous dans toute action positive n'a fait dans intérêt pays, intérêt petit nous, à petit petit nous. Chemin développement difficile. Mais c'est lui pour nous prendre. Pour Haïti, capibel. Pour chaque Haïtien, vivre avec fierté et dignité dans le pays. Vive la démocratie, vive Haïti. Voilà pour un message à la nation, ça, président républicain Jovenel Moïse. C'était hier au soir, hier mercredi 21 novembre 2018. Là, nous avons déjà annoncé le titre. Nous allons retourner sur comment la réalité a été présentée dans quelques zones, dans la région métropolitaine, pour journée mercredi. Mais déjà, nous dit pour matin, sur toute l'autoroute d'Elma, dans la station, déjà gagné et camionnette qui commençait à faire remarquer, il y a qui déjà prend la rue pour mener à activité comparativement à journée qui souhaite passer là yo et là dans plusieurs stations nous avons une possibilité de fournir regarder et bien réalité vraiment paraît différent par rapport à journée qui souhaite passer là tout et puis il faut que nous soulignions présence agent PNHO sous divers circuits dans autoroute d'Elma pendant toute journée on a continué fournir regarder on a continué sillonner pour nous partager avec vous téléspectatrices et spectateurs information sur comment la réalité a lui-même là peut évoluer. Là, nous allons regarder pour journée là, direction Pétionville avec Image Sayo Kounia. Thank you.
Willis family. Chez Télévision Nationale d'Haïti. Très certainement, il y a intérêt à être branché Télévision Nationale d'Haïti. Jean-Stéphanie Charles souligne l'IAN, ça qui pourrait permettre ou été connecté à situation, à réalité, à, bien entendu, j'en ai déjà dit l'antenne, pour le niveau d'Elma, là, et réalité qui vraiment évolué par rapport à journée, mercredi 21 novembre 2018, là, et information qui vient de nous faire comprendre tout grand pile. L'autre, par exemple, entreprise commerciale, notamment banquier, qui est au même tout, doit fonctionner journée, jeudi, là, selon précision qui baille, et par rapport à l'annonce qui est faite pour personnel, institution. L'avancé, nous allons aller là dans Port-au-Prince avec l'image Martin Luther King, l'image Nazon, l'image Tchoujo et ses collaborateurs, nous, Jean-Louis Louinel, qui était à regarder pour nous comment ça était là, nous, mercredi 21 novembre 2018. Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti. Ah ben, j'en constate là, nous, dans la rue, hein, n'a pas sillonné plusieurs rues dans la capitale là. I can't take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Oh nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I, leaving out the rest. Oh.
till I saw and I met your eyes. That's why I'm moving close to be here and to get you under my skin and right back to where we've been. Haïti, c'est pas un problème président nous gagne. Nous gagne problème tête ensemble et tête nous pour nous mettre ensemble. Mes amis, les nous fermer la ria comme ça, li pas bon pour malheureux malheureuse. Moun yo besoin à le dégager yo. Mes amis, m'a mandé nous pour nous mettre tête nous ensemble. Tant pis, tant pis. Fais ça pour moi. Fais ça pour pays ya parce que tête ensemble nous besoin. Nous pas besoin la guerre. Dans niveau nous ya, nous pas dans la guerre, nous pas dans division et tête nous pour nous mettre ensemble. Juste le pays a vienne comme ça partenaire, li pas bon pour moi, il pas bon pour personne monde parce que si nous on veut de nous à l'élection, nous voter un président. Il y a 5 ans. On nous quitte le 5 ans. Transition pas bon pour nous. Quand c'est bizarre, pas bon pour nous, pour moi, la vie plus mal. La peine besoin. La guerre, pas bon pour moi-même. Il pas bon pour tout le monde. Même dame, mais pour tout le business souverain, dans le pays, net là. Voilà, téléspectateurs de télévision nationale d'Haïti, c'est comme ça la situation a évolué dans plusieurs rues, dans plusieurs zones dans la capitale là. I can take it slow. We're far away from home, but I can't wait to get you under my skin and right back to where we've been. Ooh, nah, nah. Give me a sign and tell me when to begin. Cause every time we leave I'm longing back, back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. Oh, aujourd'hui mercredi 21 novembre nan, nous capable dire ville port de paix les levé dans une très bonne atmosphère côté la paix continuer à régner dans cité Capra l'amour. Donc gens ça habitué fait toute activité bureau, l'école, marché public etc. tout a fonctionné comme ça doit. Transport intercommunal au niveau département d'Ouest ça fait très bien aujourd'hui sans aucune inquiétude bon côté population qui pas montré le ton concerné par rapport à ça qui a passé dans l'autre région en dedans pays. Cependant nous capable faire remarquer gagné plusieurs pompes à essence qui toujours été pas fonctionné pour raison personne monde pas connaît est-ce que c'est gaz qui pas gagné ou bien mais c'est pas mesure de prudence fact. Donc pour aujourd'hui mercredi ça chauffeur machine tant que motocyclette encore té dans gros difficulté pour faire gaz dans ville en port de paix mais en général toute activité yo a fonctionné et comme à la coutume. Donc en gros c'est comme ça situation les mêmes les présenter pour ville port de paix pour journée mercredi 21 novembre 2018 là. Merci à Pilmar Kedio Sam, une situation qui, selon l'information que nous, qui part département à journée jeudi 22 novembre 2018 là, puisque l'activité déjà reprend dans la cité Capoalamola et Mounio déjà répond à l'obligation. Et là, et l'école, l'entreprise, les marchands, selon précision qui arrive nous avant d'entrer dans le studio matin, très certainement, la mi-temps journée, on a connaît plus avec correspondant nous, Marc Kedio Sam. On a parlé à Mion Balais, c'était presque même constat pour journée mercredi. Hein. C'est vrai, dans la journée qui s'est passée, la réalité a été différente, puisque l'activité a été paralysée. Mais pour mercredi 21 novembre, non, eh ben, l'école, l'entreprise commerciale, les marchands, tout est dans la rue et nous avons répondu à l'activité, à l'obligation. Et c'est ça, correspondant à nous, Jean-Michel Derispe, pral dit nous, Kounia. Venir balai à Claudion à voisinature, levé dans l'autre gens, matin mercredi 20 novembre, côté tout le monde évacué dans l'activité. Institutions publiques et privées, l'ouvrir porte yo, si vous voulez reprendre chemin l'école, et puis autobus qui assure transport venir balai, porte-pression, fonctionne timidement, la cause inquiétude, nous y gagné pour rentrer dans la capitale là. Pour Télévision Nationale d'Haïti, Derisme Jean-Michel, venir balai. La cité de l'indépendance là, eh ben, responsable de l'association chauffeur quoi nécessaire pour gagner disposition qui prend pour faciliter machine capteur la Simoni Port-au-Prince, arriver faire travail comme ça doit. Mais pour niveau Gonaïve, activité tout a fonctionné sans difficulté. Et là, Mergina Exalus, Pradino, comment ça t'est hier avec ce que ça a préparé pour nous?
Toute activité continue à fonctionner normalement dans cette indépendance-là, malgré mot d'autres grèves, brigade anticorruption. Mercredi 21 novembre, nous remarquons une fois encore un peu l'établissement scolaire public tant que privé qui l'ouvre porte côté accueilli un peu de monde qui a poursuivi appel l'instruction comme à l'accoutumée. Dans quelques institutions scolaires, tant que lycée Fab Nicolas Giffra, certains élèves qui ont subi examen préliminaire avant premier contrôle-là présent dans la salle de classe. Côté commerce, marché communal Gonaïvlan, chargé d'actifs marchands qui a mené activité côté à vendre produits toute qualité. Bien que prix continue à grimper sur le marché local là, à cause surtout de difficultés qui gagnaient pour commerçants ou aller soit dans la capitale là ou bien en amène pour augmenter stock yo. Maquette, maison transfert, sans compter gros magasin qui sous place marché public là, cap vendre quincaille à institution bancaire yo tout l'ouvri porte pour bail service à clientèle là. Côté transport, bus qui assure trajet Gonaïve Port-au-Prince toujours pas voyager à cause capitale là qui bloqué. Mais des camionnettes avec minibus qui fait trajet intercommunal yo tant cou circuit Gonaïve Henry, Gonaïve Lester, Gonaïve Saint-Marc continue à pas assurer transport en commun même si commencé gain rentrer gaz dans pompe yo. Pour ça qui concernait administration publique là, tout bureau l'état yo dans cité indépendance là l'ouvre porte yo côté à bail service à population. Exalus maire Jeuna Gonaïve Télévision nationale d'Haïti. Je ne promets pas dans la prochaine édition nouvelle, nous allons gagner comment ça y est pour jeudi 22 novembre. Mais ça nous capable de souligner pour vous, par rapport à l'information qui vient de nous. Pour Ville Sayola, Mibale, Gonaïve, Port-de-Paix, réalité a, li pas changé, activité qui déjà commencé à reprendre journée jeudi 22 novembre 2018. Là, gagner un parti politique patriote rassemblée pour sauver la caille, Parasol, qui lui-même apporté solidarité à la peuple haïtien face à la situation qui a déroulé dans quelques zones. Métropolitaine, non. Président Parasol Live Monom souhaitait aux autorités prendre toutes dispositions pour permettre la paix blaillie dans le pays, hein. Ça qui pourra la faciliter pour nous reprendre l'activité pour capable assurer que yo gagne possibilité de répondre à besoin famille. Gagne un ministère touriste qui mettait en bout mercredi 21 novembre dans un atelier 3 jours sous gestion risque avec des as dans le secteur touriste. Là. Directeur général ministère Andy Durosier parlait sur l'objectif atelier qui c'est pour faciliter l'apprentissage et la formation personnelle dans le domaine ça dans le pays d'Haïti. Andy Durosier a profité de dresser un bilan positif pour 3 journées atelier ça qui était fait dans tête collée avec l'organisation touriste pour Caraïbes. Et c'est comme ça qu'on a observé en pause puisque nous venons à bout de premier tranche journal là. Naptounet était avec nous. Actualité à plus loin, la caille, qui monde qui commandité la mort journaliste Jamal Khashoggi dans le consulat Arabie Saoudite dans Istanbul 2 octobre qui s'est passé là. C'est une question à plus loin à poser. Pour l'agence CIA, pas de trop doutes sous responsabilité prince héritier Mohamed Ben Salman, selon médias américains, y ont information, Riyad vous est jeté, puisque selon Riyad, prince héritier a pas de rien pour loin à sa CIA et à dire. On a suivi pour plus d'états un reportage avec Euronews. Qui a commandité le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre dernier? Les médias américains affirment que la CIA n'a plus de doute au sujet de la responsabilité du prince héritier Mohamed Ben Salman. A contrario, Riyad continue de le dédouaner, à l'image du ministre saoudien des Affaires étrangères qui a accordé une interview à CNBC. Je vous dis très clairement que le gouvernement saoudien n'avait pas pris part à cela et que le prince héritier n'était pas impliqué. Cette opération a mal tourné. Des gens ont outrepassé leurs droits, fait quelque chose qu'ils n'étaient pas censés faire. Nous avons dit très clairement que nous enquêtons, que ceux qui ont commis ces crimes seront traduits en justice et que les procédures seront réexaminées afin que cela ne se reproduise plus. C'est exactement ce que nous faisons. Donald Trump a estimé qu'il se pourrait que Mohamed Ben Salman ait eu connaissance de cet événement tragique, ajoutant peut-être ou peut-être pas. Le président américain s'est surtout réjoui du travail effectué par l'Arabie Saoudite, un partenaire stratégique, pour faire baisser les prix du pétrole. Je crois que les investisseurs étrangers reconnaîtront que nous sommes résolus à poursuivre sur la voie des réformes, la voie de l'ouverture. Il existe d'énormes opportunités à saisir en Arabie Saoudite. Les investisseurs étrangers voudront les exploiter et donc je ne vois pas grand-chose changer. Le procureur général saoudien a inculpé 11 personnes et requis la peine de mort contre 5 d'entre elles, accusées d'avoir fait partie du commando venu exprès à Istanbul et reparti aussitôt pour tuer Jamal Khashoggi, qui s'était montré très critique à l'égard de Riyad.
Voilà, nous revenons à bout édition nouvelle là pour jeudi 22 novembre 2018 là. Avant de nous chaper, mais quelques points nous t'ai développé. Président République là, Jovenel Moïse, dit administration là, apparaît pour continuer dialoguer avec tout acteur dans la vie nationale là. Dans ce sens, chef d'État a dit, il a déjà passé instruction à Premier ministre Jean Arisséen pour lancer ces dialogues ça y est, qui permettre pour les mieux poser et puis solution appropriée pour te. Président Jovenel Moïse t'a parlé attention hier mercredi. Le journal ça nous a fait un coup de jeu sur comment la situation a été présentée pendant le journée mercredi dans plusieurs régions dans la zone métropolitaine. Maintenant, nous allons en pile dans la ville province New York. Il y a un ministère touriste qui mettait en bout dans trois journées de formation pour personnel touristique là. Et formation ça a déroulé sous gestion risque et désastre. Et puis l'autre bord de l'eau, l'affaire Khashoggi, gagnant et médias américains qui affirmaient si aïe dit par un doute sous responsabilité prince héritier Mohamed Ben Salman. Riyad du même bon côté parle dit prince héritier a pas gagné pour eux avec sa dérivée. Voilà pour essentiel téléjournal du matin ça. Merci tout le monde qui t'a suivi. Continuez à rester sous télévision nationale d'Haïti. Nous souhaitons nous tous passer un très bon jeudi.